Le samedi 30 janvier, pour clore ses présélections de la saison 2017, la caravane Génie en herbe Côte d'Ivoire boucle son parcours à Abidjan, là où elle avait été lancée le 6 janvier dernier. À l'espace CRAE Umoa, 31 lycées d'Abidjan s'affrontent pour les épreuves écrites. En début d'après-midi, le terrain de Sokossé aux deux plateaux est pris d'assaut par de nombreux spectateurs venus assister à l'animation grand public. Le 7 janvier 2015 à Paris, des attentats sont commis contre un magasin satirique. Quel est le nom de ce magasin? Bonne réponse. Quelques instants, nous allons connaître les noms des 7 derniers lycées à se qualifier pour les phases finales de Génie en herbe 2017. À la fin de cette dernière étape, la meilleure note est obtenue par Katcha Picard Angélique, élève au lycée international Jean Mermoz de Côte d'Ivoire. Les élèves sont en examen blanc, donc ils n'ont pas pu là, ils sont venus composer, ils sont partis. Donc on a les deux encadreurs. Les établissements qui se sont qualifiés sont... Classique d'Abidjan. Le premier établissement qualifié. Lycée classique d'Abidjan. Nous sommes vraiment contents de nous parce que M. Salif Diaye sera vraiment fier de notre équipe. Notre encadreur nous a abandonné en cours de route, mais avec cette victoire-là, on a un minimum d'espoir. On sait qu'on va faire mieux encore cette année. Le lycée municipal de Jacquesville. On nous envoie un message au candidat Vidic pour dire que nous venons prendre notre revanche car l'année passée, nous avons échoué en quart de finale. Donc cette année, nous allons bien travailler encore. Pouvoir relever ce challenge encore. La troisième place est occupée par le lycée municipal Simone-Évé Bagbo. Que les autres écoles sélectionnées se préparent parce que nous, on ne quittera pas Yopougon par là à Bassam pour rien. On ira là-bas pour atteindre la finale et même pour gagner. Ouais. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Ok. Les MPT de Bagerville. Voilà. Au feu, Akwesu. Zoupala. Rendez-vous victime. Et le troisième ex-aequo avec les MPT est le lycée modèle Cocody Angré. Nous sommes là pour vous dire que nous allons revenir plus en force. Alors nous allons venir cette année pour gagner. C'est notre objectif qu'elle a, pour gagner. Si c'est bon, les Cocody Angré. La puissance. Ils n'ont qu'à avoir peur, hein. Lycée garçon de Bagerville. Le lycée garçon de Bagerville. Les vainqueurs de l'année dernière. On verra s'ils pourront conserver ce titre cette année 2017. Ils sont premiers, ils ont la meilleure note de toutes les présélections. Le lycée Jean Mermoz. Nous voici donc à la fin de notre caravane Génie en herbe Côte d'Ivoire. Après avoir fait le tour du pays en 10 étapes de présélection, les 16 équipes retenues pour les phases finales sont enfin connues. Nous vous donnons rendez-vous sur le campus Génie en herbe pour des rencontres épiques entre les meilleurs établissements scolaires de notre pays. Vive Génie en herbe Côte d'Ivoire et à très bientôt pour la suite de cette merveilleuse aventure. Orange.